Yop, 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 mes loulous, c'est tonton Tomique. On est toujours et encore une fois sur Isaac. Bon, là, une fois n'est pas coutume, mais on prend en cours de route parce que j'attendais un petit colis. Donc j'avais envie de jouer en attendant, mais bon, on va pas s'enregistrer. Donc voilà, ben, on est à peu près, je pense, à la moitié de la game environ. On a bien avancé. On est avec Isaac, pardon, et donc on a pas mal de choses qui font qu'on a beaucoup de stuff. On a le tir Rainbow, c'est-à-dire il tire un peu. What the fuck. Et donc, du coup, ouais, dans les salles, vous allez voir, on double, on triple les récompenses. Enfin, c'est un délire. Ça, c'est même pas ça, c'est qu'on quadruple récompense. Ah, tiens. Et donc, avec lui, on peut reroll des trucs qui nous intéressent pas. Par exemple, ça. Bon. Ouh, ça, je crois que c'est pas mal, ça. HP up, allez, encore. Donc regardez, voilà. Par contre, si je suis obligé de concentrer mon tir, mais voilà, il y a des délires. En plus, oui. Ah, oh, bah, bon. J'avais oublié, lui. Bon, bah, adieu les cœurs bleus. Voilà, là, par exemple, normalement, j'aurais dû avoir qu'un coffre, j'en ai deux. Et donc dans chaque coffre, en plus, là, au lieu d'une clé, j'en ai deux. Voilà. Donc vous voyez que là, j'ai du coup pas mal de thunes. C'est clair. Et de bombes. Du coup, on va bomber les crânes, tiens. Ah, il est pas mal. Et hop là. On est bien. Ce magicien, non, on va garder la force. Alors, on évite le petit cœur bleu pour le moment. On vide d'abord. Il y a des batteries, ça pourrait être cool. Pas compris. Pourquoi ça tire pas? Bah, je comprends pas. Bizarre. Tu m'as fait un petit peu peur là. Oh bah voilà. Les batteries. On avait la salle d'arcade. Bah, du coup, on est pété de thunes. C'est vrai qu'on pourrait un petit peu, histoire de récupérer quelques cœurs bleus. Il y avait le marchand, attends. Ah oui, puis il y a la salle en fait, j'avais zappé. Il y a la salle de dés où on peut refaire tout le niveau. Ouais. Donc ça veut dire double de récompense. Roaming, lui, il m'a bien surpris. Bon, du coup, là j'ai fait tout le niveau, j'ai même fait la secrète. Du coup, la salle d'arcade ça va attendre. Hein. On va reroll tout le niveau. Encore les trois crânes. Hop. Il y en a que deux. Mais bon, je vais avoir beaucoup de bombes et tout. Pareil, le familier, c'est un petit nouveau. Il a des tirs roaming, c'est rigolo. Il fait pas super mal, mais bon. Bon, ok. Et ben, re-relons. Ouais, on bouge pas. On la refait. Terrible. Et par contre, c'est aléatoire. Il y
bien sûr. Ah putain, pourquoi j'ai pas fait? Tiens, il y a déjà la secrète. Oh là là, toutes les thunes. Et oui, du coup, les pilules elles sont doubles, mais en récompense, on tente pas. Friend till the end. Oh, si, c'est des mouches bleues autour de moi. Friends till the end. Il a pas voulu parler la première fois, resté muet. Voilà, deux coffres au lieu d'un. C'est au total. Encore de magicien, je te suis. Ah pardon, j'avais pas vu. Il y a une porte au bout. Ah c'est vrai que j'ai un truc magnétique. Tink tink. Oh, ça c'est bien, je crois. Fear shot. Donc j'empoisonne et en plus je fais peur. C'est rigolo. Ok, ok, ok. Compliqué, ils sont nombreux. J'aimerais bien avoir aussi. Oh là 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 là. Est-ce qu'on commence à prendre des cœurs bleus tout de suite? Oui. Damage. Non. Encore des bombes, non. Cœur bleu. Une carte, non, par contre les cœurs, oui. Ça c'est excellent. En fait, la lampe torche, ça permet de ralentir les ennemis quand ils sont dans le champ. Et les tirs aussi. Ah. Oui, ça c'était des mouches. Qu'est-ce que je fais? J'en reprends. C'est 3 balles. Friends till the end. J'aurais aimé que tu tiennes un peu plus longtemps, mais ça va. On a fait plein de vie. Ok. Ah, pour aller au boss direct. Ah. 100% de chance, ouais. D'avoir une salle démoniaque à la fin du niveau. C'est bien ça.
pourquoi t'es au milieu des pics, toi? On va y aller, hein, de toute façon. Et puis aussi, quand je prends des dégâts, je peux gagner des thunes, ouais, franchement. Ah. C'est vrai que je pourrais passer entre les pics. J'y arrive. J'y pense jamais. Le dogfoot. Hein. Plus de chance. Eh ben, c'est raté. Tant pis. Alors le boss est là. Alors j'ai aussi la petite mouche là qui se balade là. Ça c'est cool aussi parce que la mouche elle va aller direct aux endroits où il y a les secrets. Et aussi les rochers marqués. Et ben voilà, par exemple, là, ici, tu dis, hey, mets une bombe. Lazy Worm. Lazy Worm, voyons voir. Qu'est-ce que c'est, ça, déjà? Ça ralentit la vitesse des armes. Ben non. Alors c'est qu'il faut une interaction avec soit My Reflection, l'aide d'oignon, des oignons. Ça a l'air nul. Déçu. Hop. Déjà que c'est très lent mon truc, au secours quoi. J'ai hâte de l'augmenter d'ailleurs. Par contre, trouve quelque chose. Hein. Peut-être derrière cet endroit. C'est pas vrai encore. Ben désolé hein. Ça va être non. Werf. Pouvoir en refaire encore. Du délire, hein, cette partie, du délire. Ah putain, j'ai pas tiré vers le bas, du coup ça m'a troublé la lumière, hein, je suis con. Putain mais il est plus doué que moi mon petit familier, je te jure. Ah mais... plein de crânes ici, c'est un truc de fou. Oh, il y a la salle d'arcade aussi, on va jeter un œil. C'est encore du classique. J'allais dire il a l'air de speeder mais oui c'est... Bon du coup un peu d'arcade hein. Je regarde.
Ouais, et si on chope pas mal de cœurs rouges. Et ben on pourra faire la curse. J'allais dire, on va pas choper des doubles à chaque fois ici aussi. Ça m'aurait étonné. Si. Bah, les pièces, c'est un peu violent. Sérieux. Ah non, j'ai quand même qu'un seul cœur. Une mouche. Génial. Ah, faut dire que j'ai deux de chance, ouais. En plus. Pour les thunes, ça c'est sûr. Ok, on se rapproche de la curse là. Je t'ai pas vu. Eh, pas grave. Ah, si la bécane elle pète jamais. Pareil, je tente. Ok. Infested. Oh, je suis plus petit. Génial. Que de la belle pilule. C'est une nouvelle. Du coup, celle-là me fait peur. Elle donne trop celle-là, c'est incroyable. Toutes les pilules du monde. Ok, du coup on va garder Kansi fait arriver. Hein. Allez bien. On a fait tout le niveau alors? Oui, c'est vrai. 19 bombes, ça se fait. Oh oui. Carte à caca et hiver. Ever, ever, ever. Il faudrait. Je sais plus comment il s'appelle, le poupe. Hein. Le poupe magique. Mais on va garder celle-là. Oui, aïe, 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 aïe. Ouais, ouais, tant pis pour Legacy Forever là. Et bon, on va refaire le niveau. Une nouvelle fois. C'est bien ça, hein. Que je me plante pas. Semblait avoir eu tout à l'heure. Alors. Salle de dessin, quoi. C'était ça. Et là.
Relance et recommence l'étage en cours. Numéro 2. On va pas avancer. Mais on va se booster. Et ça, c'est trop bien. Blood Bank, peut-être pas. Par contre, du coup, on peut les changer les deux là. Vraiment? Je peux l'avoir en double? Oh, Steven, Steven, Steven. Et ça, c'était quoi? Sack of Pennies. Ça va me donner encore plus de thunes, ça? Sack of Pennies. Alors, ça laisse tomber une pièce toutes les deux salles. Secret est là. Alors si je tape l'appel. Appel ou un broken shovel là. Ça n'a pas l'air d'être ce nom-là, ça fait suer. Alors, utiliser cet objet sur un lopin de terre qui apparaît dans la Dark Room.
permet de débloquer The Forgotten. Ah ouais, ça mène à l'étage suivant en fait. Non, non, non. Faudrait que je trouve comment une banterie pour changer ça. C'est bien ça. Missing page 2. Missing page 2. Cœur noir, active l'effet Necronomicon en subissant des dégâts si la santé totalise avec cœur rouge, cœur dame. Et cœur noir est à un cœur par la suite. D'accord. Ça veut dire que je peux faire péter tout le monde dans la pièce. Intéressant. Hop. Oh, pitting. Rien que ça, une sacrifice romain. J'ai déjà à 50%, je pourrais être à 100% d'avoir l'Angel Room. Mais déjà. Non, je pense pas. Alors c'est laquelle celle-là? Parce que si c'est celle qui s'est bien attaquée, elle est cool. Lost Fly, je crois que c'est la bonne, ouais. Qui va se mettre à attaquer tout le monde, hein, n'importe qui. Pourquoi il tourne autour de ce crâne là? Il dit pas que ça indique les crânes où il y a des cartes? En sérieux? Oh, je suis à fond, mince. Le Joker. Et je crois que le Joker, ça m'emmène directement dans la salle de l'ange, non? Ouais. Ich. Tristagion. Hein? Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, mais je regarde même pas le... Le descriptif. Tristagion. C'est énorme. Donc la mouche va autour des crânes qui donne des trucs. C'est trop bien. Bah oui, on va aller te voir mon pépère. Tant pis pour le cœur noir. Et à chaque fois j'oublie, mais je peux essayer de passer entre les gouttes. Je suis très con. Ok, bah vas-y, continue à donner. Hein. Ok, un cœur en plus.
Tant pis. Alors, on peut finir avant d'aller essayer. Fanny Pack. Qu'est-ce que tu me fais, petit Fanny Pack? Alors, confère 50% de chance de lâcher une pièce, une bombe, une clé ou un cœur au hasard chaque fois que le joueur subit des dégâts. Chance de chute entre chaque catégorie sont à peu près égales. Ok. Cimer pour le Fanny Pack. Tour dessus, ce serait un bon celui-là alors. Ah non, je me suis fait des films. Hein. Oh le délire. Vérification, ouais, c'est vrai que j'avais la. Ouais, j'ai déjà beaucoup de cœur. On va faire un sacrifice room, faut qu'on le fasse. Ok. Donc là, on a un cœur entier. D'ailleurs, à gauche, est-ce que c'est... Normalement, ça devrait être un double demi-cœur aussi. Ouais, plus que ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Je suis rentré par où? Voilà. Hein? Ah. Je suis nimp. Oui, d'ailleurs, toi. Que je suis déjà à 100% pour un Darkroom. Il blessé dans. Ah si, voilà. Mais bon, ça ne sert à rien en fait, j'y suis déjà allé, je suis un peu con. Bon, on a eu des thunes. Pas cracher dessus. Quoique si on peut cracher dessus, on est à 99. Oh, t'imagines Moni et Cal Power. Arrête ton rêve. Ah mais dis donc, il y a encore un cœur. Hein. Du cœur à gauche. Un petit haut.
pourrait taper dans les flammes. Voilà. Je crois qu'on a assez optimisé le coin. Qu'on va pouvoir y aller. Je revérifie quand même. Ah, les trois petits cœurs. Enfin, les trois petits crânes. Ce sera non. On est bien. On est très bien. Interrogation card. Magicien de la princesse. Après son premier effort, les amants, le char, justice, roi de la fortune, force, le pendu, la mort, tempérance, le diable, la tour, la lune, le soleil, le judgment, le monde. Donc en fait, c'est au pifomètre quoi. Testons. Question. Ok, bon allez. Peu d'action. Coucou maman. Oh, c'est passé quoi? Du coup on lui pète la gueule. Franchement, ça pourrait aller jusqu'à Méga Satan, cette histoire. J'ai encore la possibilité de retourner dans une Angel Room, c'est ça la question. Mais bon, vu que j'ai mon masque, oui, normalement. Le caca rouge dans mon dos, saloperie. La baballe, ça va être non. Hein.
Une petite mouche protectrice, c'est ça? Bah écoute. Où est-ce que je pourrais aller dans ce bordel? Oh putain, il y a un truc en dessous en plus. Une méga bombe. Les récompenses d'enfoiré, ça marche aussi en double, hein. Qu'est-ce qu'il fait mal mon tir, quoi. Par contre, ouais, faut pas que je m'excite, j'ai plus que 3 bombes là. C'est moyen. Ok. Des batteries, ouais, ouais. C'est un rocher marqué, ça? Comment tu le sais, putain? Oh, c'est pas un rocher marqué, elle indique aussi les échelles de cornes, c'est fort. Oh putain! Oh le délire! Allez! Bon, je me suis un peu emballé, je croyais que j'allais voler. Mais non, c'est un familier. Ben pourquoi pas, pourquoi pas.
C'est sympa aussi. Well. On a une grande salle aussi sur la gauche. Celui-là. Bon, là, par contre, pas raté du tout. Bien hein. Vu. Oh là là, ce tir, c'est ce qu'il y a eu contre Mom. Hein. C'est de la folie pure. Ah, je l'ai pas vu lui. J'ai récupéré un peu de bombes, c'est bien. Je n'ai pas une chier quand même. Par contre, on a la sacrifice room qu'on peut faire. Hein. On a pas mal de cœurs. Mais combien, c'est toujours la grande question. Quoi. J'ai oublié d'aller voir. Alors. Putain, j'ai chopé le cœur bleu, sa mère. Du coup, sacrifice, pas sacrifice. J'ai l'impression qu'on va zapper. Hein. Allez, on va prendre l'autre cœur après tout. Tant pis. Et deux autres cœurs. Ah, excusez-moi. Faut que je vois quand même ce que ça donne. Bon, d'attirer les objets, c'est sympa, ouais. Quoique. Oh non, la magnette, franchement, c'est très très cool. Ah oui, j'avais ça aussi. Par contre, là, ça a l'air d'être un peu plus espacé. Après. Bon allez, boss. Arrêtez d'être gentil comme ça avec moi. All stat up. Ça devient indécent. C'est non, hein. Allez, here we go, on est reparti. Il
devenu tout petit. Yes. Moi aussi je deviens petit. Wouhou! Pareil, les clés, j'en ai jamais eu autant, je crois. 66. Mais pourquoi c'est une bonne chose, Hématémésis? Je comprends pas. Je comprenne ça, Hématémésis, j'ai jamais pigé. Cœur rouge off 1 et fait apparaître jusqu'à 4 cœurs rouges. Si vous n'avez qu'un seul ou aucun cœur rouge, vous ne perdez pas de vie, mais les cœurs apparaissent quand même. Si vous utilisez cette pilule dans une salle super secrète contenant un cœur noir ou un cœur éternel, ces cœurs-là apparaissent à la place des cœurs rouges. Ah ouais, je viens de comprendre l'idée. Je vais y penser. C'est-à-dire que si on va dans une salle secrète, qui a un cœur noir ou un cœur éternel, on fait Hématémésis, donc on perd tous nos cœurs rouges sauf un, mais par contre, on en fait apparaître 4 et c'est des cœurs... soit noir, soit éternel. Donc si c'est éternel, c'est juste énorme. Parce que là, ça me ferait 1, 2, 3, 4. Ça me ferait 4 containers rouges en plus. Direct. Par exemple. Ou 2. Ce qui serait déjà pas mal. Pardon, je m'en bats. Merci à Mouchon, on va se concentrer quand même, on sait jamais. Oh, oh. Parler. On va tester la chose. Incroyable, incroyable, incroyable. Oh oui, c'est exactement ça. Donc, du coup, il y en a une autre. Faut que je recharge. Faut que je recharge ma vie. On peut déjà commencer ici. On va peut-être d'abord se recharger quelque part. D'abord, ouais. Parce qu'on n'est pas. On n'est pas un peu au début du niveau là. Enfin au début du jeu. Un peu de violon derrière. On va faire gaffe. Oh.
Bon, puis il y a l'arcade derrière. C'est bon, on n'a pas besoin de faire gaffe. Hein. On n'a pas besoin de faire gaffe, à part si la machine pète en 2-2. Merde! Oh, je suis obligé de me faire chier avec lui. Oh, en plus j'ai du pot. En plus j'ai du pot. C'est mon 2 de chance qui fait ça ou... C'est abusé. Il est normal que tu me suives, toi. Attends, on va direct. Là, je vais être en pique rouge, sans déconner. Du coup, c'est par là. Bon bah maintenant on n'a plus qu'à se recharger en cœur. J'ai pas regardé. LOL. Mais je pense qu'il y a aussi l'histoire du Lockfoot, hein. J'ai chopé le Lockfoot. Hein. Ouais, parce que là, j'ai jamais autant gagné. Hein. Ouais. Il y a de l'abus. C'est trop cool. Ah, ça change. Alors j'ai vraiment été un château de première tout à l'heure. Ouais, quand même. Maker plutôt, voilà. Franchement, doit-on continuer? Je ne pense pas. Hein. Surtout qu'on est à 59 minutes et 15 secondes de vidéo, donc on va s'arrêter là et puis on va se retrouver tout de suite pour un perso overcheaté. Allez, tchuss!